Le premier et principal conseil que je souhaite donner, c'est de lutter contre les préjugés liés à l'âge. Les personnes âgées sont souvent discriminées. Or, les personnes âgées, c'est un tiers de nos sociétés aujourd'hui, 40% demain, et c'est un trésor de richesse, d'expérience et de mémoire. Par nature, notre métier est producteur de déchets, notamment de déchets médicaux, et nous avons établissement par établissement, résidence par résidence, des programmes de réduction et de valorisation également de nos déchets. Moi, j'ai un message optimiste à communiquer qui vient du terrain. Nous exploitons près de 600 résidences accueillant les personnes âgées dans lesquelles travaillent plus de 40 000 professionnels, souvent jeunes. Et ce que je constate, c'est qu'au-delà de leur engagement professionnel quotidien, je constate un dévouement et une empathie à l'autre absolument formidable dans ces générations qui sont les générations d'avenir, puisque nos professionnels ont entre 25 ans et 40 ans et vont faire le monde de demain. Et je constate un engagement formidable bien au-delà d'un simple engagement professionnel et un sens de l'autre.